Aujourd'hui, nous avons organisé une réunion du comité national de gestion de la crise du COVID-19. Et ce comité national qui avait été mis en place en mars 2020, par arrêté, a été restructuré tout récemment parce que nous voulions que ce comité ait beaucoup d'efficacité et beaucoup de dynamisme au regard des urgences à gérer. Alors, aujourd'hui, ce comité a été mis en place et avec un secrétariat exécutif qui va servir d'interface entre le président du comité et les départements ministériels et également les régions. Parce que comme vous le savez, le comité national de gestion de la crise aura des comités sectoriels dans un certain nombre de départements ministériels pour traiter de questions spécifiques et des comités régionaux pour travailler sur le terrain dans la prise en charge de la maladie du coronavirus. Les comités sectoriels ont la responsabilité d'élaborer des plans qui intègrent les différentes préoccupations de la lutte contre la maladie. Le coronavirus a été considéré d'abord comme une épidémie. C'est pourquoi le ministère de la Santé s'en est saisi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est l'institution qui a la responsabilité de s'occuper de la santé de nos populations. Mais très rapidement, les effets de cette maladie-là ont largement dépassé les frontières de la santé. Aujourd'hui, tous les secteurs économiques de notre pays sont impactés. Les transports, les marchés, etc., etc. Donc de ce point de vue, il était important que nous essayons de prendre en charge toutes ces questions dans le cadre d'une réflexion globale. C'est pourquoi nous avons créé des comités sectoriels. Évidemment, le comité sectoriel santé est déjà à pied d'œuvre pour ce qui concerne la gestion des questions sanitaires. Le CORUS fonctionne très bien. Nous avons maîtrisé un certain nombre de choses à ce niveau. Mais au niveau de la communication, vous avez pu observer que ça va plus ou moins dans tous les sens. Chacun a sa forme de communication. Il faut que l'on unifie tout cela dans un plan de communication qui permette de prendre en charge non seulement les questions sanitaires, mais également le plan de changement de comportement au niveau des communautés. Et ça, la problématique ne se situe pas seulement au niveau du ministère de la Santé. Il y a d'autres ministères qui sont impliqués et il faut unifier ces démarches-là pour que la communication soit beaucoup plus cohérente et que ça atteigne les cibles que nous voulons atteindre pour permettre de mettre en œuvre notre politique de redressement économique à l'issue de la lutte contre le coronavirus. Donc, nous avons également mis en place un comité qui va se charger de la coopération et du développement. Ça, c'est la réflexion avec les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour que nous puissions mobiliser suffisamment de ressources pour financer notre plan de riposte, mais également que nous puissions mobiliser suffisamment de ressources pour apporter les appuis nécessaires à notre plan de relance économique que nous sommes en train d'élaborer. Voilà la raison d'être de la création de ces comités sectoriels. Ils vont mener des réflexions parce qu'il y a beaucoup de ministères qui vont se mettre autour des ministres coordonnateurs pour élaborer ces différents instruments afin que nous puissions avancer. Alors, ce matin, nous avons discuté de la feuille de route qui a été présentée. Nous avons également échangé sur les actions urgentes à prendre. La première action urgente à prendre, c'est d'élaborer un plan global qui fasse la situation de la maladie, qui fasse également la situation des principales orientations et surtout la situation de la mobilisation des ressources en faisant apparaître le gap qu'il faut prendre en charge avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons également demandé à ce que le ministère de la Santé revoie certaines dispositions du plan de riposte qui a été adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Il s'agit d'améliorer ce plan de riposte. Comme vous le savez, nous l'avons adopté à un moment donné. La situation a évolué entre-temps. Il faut aujourd'hui adapter ce plan à la situation actuelle et voir dans quelle direction on peut aller dans les semaines et les mois à venir. Nous avons également insisté sur la nécessité d'adapter le plan de communication aux réalités. Vous savez que le président du FASO a décidé d'alléger les mesures relatives à la restriction des libertés
en faisant en sorte que le système économique puisse repartir. Mais tout le monde s'attend à ce qu'avec ces libéralisations liées à la réouverture des marchés, à la libéralisation des transports, à la levée de la quarantaine, que la maladie puisse rebondir au niveau du Burkina Faso. Donc nous avons dit qu'il était important d'ajuster notre plan de communication pour faire en sorte que les messages qui vont être passés fassent en sorte que les populations adhèrent à l'idée selon laquelle la maladie est une réalité dans notre pays et que cette population doit adopter les bonnes pratiques en matière de gestes barrières pour éviter que la maladie ne puisse repartir. Donc ce plan de communication va être élaboré sous l'égide du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, afin que l'on fasse ces adaptations-là et permettre au comité national de pouvoir diffuser des messages qui soient acceptables et qui soient acceptés par l'ensemble des populations pour nous permettre de gagner le pari de la lutte contre le coronavirus. Voilà essentiellement ce que nous nous sommes dit ce matin. Et je voudrais saluer la participation des représentants des partenaires techniques et financiers, notamment de la Troïka, de l'OMS, et également la participation de la société civile, parce que le président de l'organisation de la société civile était là. Et nous pensons que c'était important que ces personnes qui nous accompagnent tous les jours dans nos efforts de développement puissent être là pour nous donner leur compréhension de la lutte que nous sommes en train de mener et nous accompagner dans cette lutte que nous comptons gagner dans les meilleurs délais. Nous avons effectivement parlé du dépistage massif, mais vous savez qu'il y a des difficultés au niveau international pour mobiliser les réactifs, parce que tout le monde en demande, tout le monde entier est concerné par cette pandémie, tout le monde en demande. Donc il y a des difficultés de mobilisation de ces réactifs, mais néanmoins nous disons que le ministère de la Santé a une initiative qui va dans le sens de multiplier le nombre de tests. Mais ce que nous avons également dit, c'est qu'il faut que l'on réfléchisse sur la stratégie de prise en charge de la maladie, parce que les tests de dépistage ne devraient pas être le seul moyen de faire en sorte que nous identifions ceux qui sont positifs du coronavirus dans notre pays. Mais il y a des efforts qui seront faits. Nous avons reçu une certaine quantité de tests que nous allons continuer d'utiliser. Nous sommes en train d'étudier avec l'OMS, qui a la responsabilité de valider les tests rapides. Si l'OMS nous donne le feu vert pour ce qui concerne l'utilisation des tests rapides, je pense que le Burkina Faso pourrait également s'engager dans cette voie, ne serait-ce que pour faire un dépistage primaire des malades du Covid et ensuite maintenant la confirmer cela par les tests que nous utilisons à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Nous avons multiplié les laboratoires dans notre pays et je crois que si les tests de dépistage sont disponibles, on devrait pouvoir aller progressivement vers un dépistage de masse au niveau du Burkina Faso.